Bonjour les enfants! Alors, je vais raconter les histoires Lulu et le dernier des dodos, le Daniel Piccoli et Frédéric Pillot. Lulu, Guirette, s'en va se promener sur la grande place du marché. Aux voleurs! Aux brigands! Au coca, au sacripant. Tous les animaux sont assemblés d'avant, rien ne sert. Tout. Moi, on m'a volé. Chez moi, un chat perdait un noir et le cumoir avec une bassine. À moi, l'écritoire où que je dessine. Alors, Lulu s'approche. Pousse des cancions. Rien ne sert et ton colère. Lui rampant en feu et pend de fleurs feuilles. Il y a parmi nous un voleur. Mais les pas récentes sont trois, son tronc pesé, c'est peut-être une petite voleuse. Quoi? Tu oses ma c'est le lièvre. Même par où. Je vais te nourrir les oreilles, tête, des hauts traits de chou. Ha ha ha! Qui monte sur ses grands cheveux. Cache une grosse bête dans son dos pour ça aussi quelle peuvent as-tu tant non vois quelque chose vénace Lulu. Non! On ne m'a rien pris. Voilà la peur partie à cet mot tout. La main tend du doigt pour Lulu, tant et trop cette fois. Lulu, elle est triste. Et malheur, il faut rentrer le voleur ou arriver. Devine à porte du jardin. Mon parole est elle a prolu sa beauté à l'être. Sa boîte à lettres a disparu. Il ne reste plus sur le chemin que en voie de pop ré se met comme des cas cailloux. Se met des cailloux. Lulu et suit à la lettre. Les suit à la lettre.
Mais juste où arriver à la rivée, je suis le dit tout ne Lulu ne coutit pas ses yeux ni ses copines à la devine. Lulu, une sorte d'animal, et trace avec une drôle de bec des petites hélices, des angles, des vanises pâteaux, c'est mais un joli petit bolide porté tant sur la tête. Sa boîte à lettres, hop, grosse zouzie là. Je veux demain, pardon. Bonjour, petit animal en colère et bizarre. Quoi, moi? Bizarre? Vous veux dire bizarre? C'est de vous qu'il fadiste de dire poteau. Et pourquoi cela vous part? Vous ne rétablissez à nu quand de mes amis. Cela va de soi, je suis un dodo.